Israël Co-Bruce Lee, 25 ans, nage depuis 2009 dans les bassins avrais. Pourtant, c'est au Liban, sa terre natale, que son histoire d'amour avec l'eau a débuté. C'est mon grand-père, Afif Darboul, qui a commencé l'histoire dans la famille. Donc il a enseigné à tous ses enfants, donc mes oncles et ma mère, la natation. Et ma mère, elle était championne arabe de natation et du coup, il a enseigné après ses petits-enfants, donc comme moi. C'était obligatoire à tous les petits-enfants de nager jusqu'à 10 ans. Et après, c'était à eux de décider continuer la natation à haut niveau ou pas. Et moi, j'ai adoré l'eau dès le début. Même la toute première fois, j'ai sauté dans l'eau tout seul. J'étais en train de me noyer. Donc mon grand-père me tire, il me dit « Saute pas tout seul avant d'apprendre à nager ». Donc ça a commencé comme ça. Voilà pour le début de l'aventure. Sa carrière va prendre une autre dimension. Au JO de Pékin en 2008, Christos Paparadopoulos, l'entraîneur Duc Dubosc, repère Wael et lui offre la possibilité de rejoindre la Seine-Maritime pour parfaire le nageur et construire l'homme. Et c'est quelqu'un qui appliquait strictement les consignes, était engagé aux exigences très difficiles, il faut le dire, hein, de l'entraînement. Donc, parce que le talent, c'est une chose, la volonté de travailler, c'est autre chose. Je pense que la grande volonté que Wael Co-Bruce Lee a, c'est d'être là, et dès qu'on est là, je me donne à 100% dans l'entraînement. Je compte continuer autant que possible la natation, ça dépend de plein de choses, des sponsors, de l'étude, de la vie, de travail. Mais bon, on verra. Avec 7 championnats du monde, 2 JO et une médaille d'argent au championnat arabe du Caire en 2007, Wael est un nageur accompli. Son prochain défi, les championnats du monde du Qatar en 2014.